We are ready to proceed with the election of the president. If you agree, we will proceed to the election by acclamation. Now uh, we have elected Karl Heinz uh, Lamberts uh, to be the, uh, the new president of the CR. Dear colleagues, Ladies and gentlemen, let me first thank you for the confidence you have placed in me. It's a great honor to carry out this responsibility, and I will do so with passion and determination. I would like to thank the members of my group who nominated me as their candidate and all the political families which have expressed their support. Without renouncing, my convictions I will be the president of everyone and for everyone I will take up my mandate in line with our agreed common priorities and the spirit of cooperation established at the start of the five-year term a first for our committee I would particularly like to thank Marco Markula and his team for the extraordinary work they have carried out since 2015, which i will continue in the same tandem spirit, with the same commitment and cooperation throughout my presidency. Yeah. chers collègues, je voudrais d'abord m'adresser à nos jeunes stagiaires qui viennent de s'exprimer par la voix de leurs représentants, et à travers eux je m'adresse à la jeunesse européenne. Comme beaucoup parmi vous, je suis père et grand-père. Comme la majorité des parents à l'égard de leurs enfants, je n'ai qu'un vœu, que leurs conditions de vie soient bonnes et de préférence meilleures que les nôtres. C'est aussi mon souhait pour toute la jeunesse européenne, car elle est vraiment l'avenir de l'Europe. Nos parents ont transmis à ma génération un héritage inestimable. L'Europe, une communauté de paix bâtie sur les cendres de la guerre. Ils ont eu la sagesse et la force de dépasser les haines et les rancœurs. Grâce à eux, nous vivons en paix. Ce lait n'a pas de prix. Les fondateurs de l'Europe avaient bien plus qu'une ambition économique. Le traité nous rappelle que le but essentiel est la promotion du progrès économique et social. Voilà où réside la vraie ambition européenne. Comme le disait Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. L'Europe doit aussi réaliser la promesse d'un mieux social qu'elle porte en elle depuis plus de 60 ans. La dimension sociale de l'Union n'est pas un luxe dont les Européens pourraient se passer. Elle est indispensable à l'amélioration de la vie des Européens et même à la survie de l'Union. Les conditions économiques et sociales sont parfois telles qu'elles empêchent une partie de notre jeunesse de s'imaginer un futur meilleur. Avant, on enseignait que la construction européenne était irréversible. Avec le Brexit, la désunion et la désintégration ne sont plus des risques imaginaires. Au moment où une ambition européenne est si nécessaire pour protéger les citoyens, ceux qui, en utilisant des peurs et des mensonges, ont engagé leur pays et l'union dans cette voie, portent une très lourde responsabilité à l'égard de tous les Européens. Je veux ici exprimer toute notre solidarité aux membres britanniques de notre Assemblée avec lesquels nous travaillons chaque jour à une Europe meilleure et avec lesquels, quelles que soient les circonstances et les cadres, nous poursuivrons une collaboration privilégiée. À vous, la jeunesse, je dis que nous ferons tout à vos côtés pour vous transmettre la paix. La prospérité et le mieux social. Ayez toujours le courage de dire votre vérité sans compromis. Soyez exigeants. Accomplissez votre désir d'une Europe meilleure et unissons nos forces. Mon vœu le plus cher est que l'Europe dépasse les crises et soit pour vous, comme elle a été pour nous à votre âge, porteuse d'espoir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich entstamme einem Dorf, Schoppen, ein kleines Dorf, unweit von Eupen, einer Familie, die mir die Verbundenheit zur Erde, die Bereitschaft zu harter Arbeit und den Geist der Solidarität mitgegeben hat und zweifellos auch einen gewissen Pragmatismus. Die Geschichte der Grenzregion, in der ich aufgewachsen bin, hat dunkle Kapitel. Unsere Vorfahren haben in verschiedenen Armeen gekämpft. Unsere Familien sind durch zwei Kriege auseinandergerissen worden, in deren Folge unsere Großeltern dreimal in ihrem Leben unfreiwillig ihre Staatsangehörigkeit wechseln mussten. Ich bin seit 36 Jahren in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens politisch aktiv in einer Region, die in vielfacher Hinsicht ein Experimentierfeld Europas ist. Ich habe mich immer für Offenheit und gegen Abschottung eingesetzt. Die Stärkung der Identität meiner Region ging immer einher mit ihrer Öffnung gegenüber Europa und der Welt. Erfolgreiche Regionen sind tief verwurzelt und breit vernetzt. Diese Erkenntnis haben Wissenschaftler formuliert. Sie stimmt auch mit meiner persönlichen politischen Lebenserfahrung überein. Seit Beginn meines politischen Engagements konnte ich mich ganz konkret vom Mehrwert der Europäischen Union für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort überzeugen. Diese Union ist mehr als nur ein Konzept, eine Idee. Sie steht für konkrete. Greifbare et oftmals fascinierende Chers collègues, aucune institution, qu'il s'agisse du Conseil, de la Commission ou du Parlement, ne peut isolément répondre aux multiples crises auxquelles l'Union doit faire face. Cela vaut aussi pour notre Comité. Il faut travailler ensemble. C'est mon intention et les institutions nous donnent des signaux encourageants. Elles nous sollicitent pour contribuer à la réflexion sur le futur de l'Europe, vers laquelle tous nos travaux dans tous les domaines doivent converger. Cela nous permettra tous ensemble de démontrer notre capacité de mobilisation sur le terrain et notre force de proposition dans tous les domaines. À compter de cette rentrée, nous tiendrons en octobre de chaque année un débat qui sera l'occasion d'exprimer le point de vue des villes et régions sur l'état de l'Union. Cela nous permettra, je l'espère, d'amplifier l'impact de nos messages politiques. Ce sera le reflet de l'avancement de nos travaux. Je sais que je pourrais compter sur l'engagement des présidents et des membres de nos commissions assisté par l'ensemble de notre administration pour alimenter cette réflexion concrète sur le futur de l'Europe et j'invite tous les groupes politiques et les délégations nationales à y participer activement. Chers collègues, la recette miracle n'existe pas. Il n'existe pas d'idée révolutionnaire qui, d'un coup, fera disparaître la tempête pour laisser place au soleil. Mais j'ai une conviction. L'Europe ne parviendrait pas à se refonder uniquement depuis le haut. C'est à partir du terrain que l'Europe peut se donner la chance de repenser ses politiques pour retisser un véritable lien de confiance avec les Européennes et les Européens. Sans ancrage local et régional, sans dimension territoriale, l'Europe sera comme un arbre sans terre incapable de prendre racine, condamnée à disparaître. Pour éviter cela, il faut une implication constante du niveau local et régional dans la mise en œuvre, mais aussi dans la conception des politiques européennes. Nous, les élus territoriaux, nous sommes les acteurs européens de première ligne, qu'il qu s'agisse de capacité d'investir d'éducation, d'intégration, d'amélioration de l'environnement, de sécurité, d'innovation, de partenariat hors des frontières de l'Union européenne et de tant d'autres thèmes, rien ne nous est indifférent. Je vais même plus loin. Nos objectifs sont les mêmes que les 17 objectifs du développement durable définis par les Nations unies. C'est nous qui mettons en œuvre les projets européens sur le terrain. Nous sommes directement confrontés aux attentes des citoyens qui, globalement, nous font plus confiance qu'à d'autres niveaux de pouvoir. C'est à la fois une chance et une très grande responsabilité. Dans nos territoires, nous devons apporter les réponses concrètes que les citoyens attendent. Ce travail nous conduit au pragmatisme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, le plus souvent, les positions de notre comité transcendent les classique divergence idéologique. Toutes ces raisons font que le rôle des villes et régions doit être pleinement reconnu au niveau européen. C'est pour ça que le président Marcoula et moi-même sommes intervenus auprès des chefs d'État et de gouvernement et des présidents des institutions européennes pour que la contribution du niveau régional et local à la construction européenne soit explicitement mentionnée dans la déclaration de Rome. Adopté à l'occasion du 60e anniversaire du traité. Reconnaître notre rôle, votre rôle est essentiel. Mais il faut aussi que nous, nous, ayez, que, aussi que nous ayons les moyens de l'exercer. Les villes et régions d'Europe doivent pouvoir investir et fournir aux citoyens et aux entreprises des services publics accessibles et de qualité. Voilà la raison pour laquelle les flexibilités budgétaires sont indispensables pour nous donner les moyens d'investir dans l'avenir. L'Union européenne n'a de sens que si ses membres avancent dans la même direction, dans l'intérêt des Européens, que si elle libère des marges réelles d'action et que si elle est solidaire. La cohésion participe pleinement à cette nécessaire solidarité européenne. Dans toutes ses dimensions économiques, sociales et territoriales, cette cohésion est constitutive de l'ADN de l'Union européenne. C'est pour ça que la remettre en question en l'amoindrissant, en la diluant, en la conditionnant serait un véritable non-sens, tout à fait inacceptable pour notre comité. Cette politique doit être préservée parce qu'elle soutient le développement économique, crée des emplois et permet de construire des infrastructures et tant d'autres choses dont les Européens ont plus que jamais besoin. Une Union sans politique de cohésion, ce n'est pas l'Europe que nous voulons. Voilà la priorité, notre priorité, dans tous les domaines, faire remonter la réalité du terrain et faire entendre nos propositions pour l'avenir de l'Union. Chers collègues, la première moitié de notre, légis notre législature a été marquée par un contexte de crise sociale, économique, politique et identitaire sans précédent, précédent depuis la création de l'Union. Certes, nous avons récemment échappé à des résultats électoraux qui nous auraient fait craindre le pire pour l'avenir de notre Union. Mais ne nous trompons pas. Celles et ceux qui veulent la mort du projet européen n'ont pas capitulé. Il faut les empêcher de détruire l'Europe et d'entraver la possibilité d'un avenir meilleur pour nos enfants. Pour ça, la meilleure réponse est de poser des actes concrets et positifs pour les Européens. Il ne faut pas perdre le sentiment d'urgence pour repenser le projet européen et agir. L'Union ne peut pas se contenter de lancer les pistes de réflexion pour l'après-2019. Elle doit sans attendre montrer sa capacité d'action, de changement pour renouer la confiance avec les citoyens. Chers collègues, la tâche qui nous attend est à la mesure des défis auxquels l'Union européenne doit répondre. Au comité, Nous devons continuer à nous ouvrir sur le monde extérieur pour enrichir notre réflexion et notre action. Nous devons continuer à intensifier nos contacts avec les collectivités territoriales et leurs responsables politiques partout en Europe. Il faut également faire davantage ici à Bruxelles avec les associations et les quelques 300 bureaux de représentation de villes et de régions installés dans la capitale européenne. Nous devons être leur point de ralliement, la maison des villes et régions d'Europe et de leurs partenaires. C'est ainsi que nous pourrons également renforcer notre légitimité de porte-parole des collectivités territoriales au sein des institutions européennes. Avec nos membres, nous devons faire en sorte que le Comité européen des régions soutienne davantage leurs activités, y compris au sein de leurs collectivités territoriales. Cette réflexion doit être à double sens. Comment faire profiter ma collectivité territoriale de ma présence et de mon engagement à Bruxelles? mais aussi que puis-je prendre dans ma région, dans ma ville, pour l'apporter la, pour au comité de la région. Bien entendu, je sais que c'est votre activité de terrain qui vous mobilise plus que celle à Bruxelles, et c'est tout à fait normal et c'est une bonne chose, car vous êtes dans l'action concrète auprès des citoyens dans vos collectivités, là où les Européens vivent. Ce qui compte le plus, c'est cet engagement sur place. Et je suis convaincu que vous pourrez continuer à compter sur le soutien efficace et l'engagement total de notre administration pour pleinement mettre à profit le temps de, que vous consacrez ici au comité. Chers collègues, je viens à ma conclusion. Dans un monde globalisé et dans l'intérêt des Européens, il n'existe pas d'autre choix souhaitable que de poursuivre et d'approfondir l'intégration européenne. Mais il ne suffit pas de se le dire entre convaincus. La peur de l'Europe doit céder la place à l'envie de l'Europe. Il faut oser réaliser l'intention des fondateurs de l'Union. Il faut une Europe qui renoue pleinement avec l'objectif de justice et de progrès social. Une Europe qui aide ses citoyens à se construire un avenir meilleur. Une Europe capable de résoudre les grandes questions à l'aube du 21e siècle. Une Europe dont les racines sont ancrées solidement dans ses villes et ses régions. Dear colleagues, over the next two and a half years, We are expected to be intense in light of Brexit, the difficult budgetary negotiations, and the campaign for the European elections. You can count on me and the first Vice President, uh, Marku Markula, to articulate your views, the views of the local and regional level, as strongly as possible. There will be no miracles. But I hope that we will be successful and remembering that all our achievements will be shared. Crucially, I will need all, you, all your support to carry out the mandate you have just given me. Thank you for listening. Thank you for your support. <clears throat>